Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le samedi 22 janvier, il est 9h du matin. Et nous nous sommes réveillés à 8h pour la préparation du départ. S'habiller, déjeuner, les douches pour Laura. Moi j'ai pris hier soir. Les enfants aussi. Et le sac avec pyjama, il y a Saitama et le lapin qui se font encore des bisous. Tout le temps des bisous les deux là. La Libby est déjà réveillée, elle m'a écrit, je lui ai dit qu'on venait la chercher vers 9h30 et tout ça. Sa copine a des lapins, elle m'a dit elle veut bien m'en donner un. J'ai sûrement pas. Elle dit mais si j'arrive à m'en occuper, je peux le garder. Je fais non, t'as déjà un lapin, c'est déjà suffisant. S'il te plaît, non mais sérieux. Libby quoi. Et ça va devenir l'arche de Noé à la maison. Non. Un lapin c'est largement suffisant de toute façon. Saitama qui bouffe la bouffe du lapin. Psst. Oh yeah. T'as pris ton doudou, c'est bon, il est en bas? Oui. Bah tu descends. Et du coup, au programme de ce jour, donc le vlog est en ligne depuis ce matin, Facecam est déjà prêt pour aujourd'hui et tout ça. Non, laisse-le là, c'est bon, il y a déjà des jouets chez Nini. Après, elle a pu savoir qu'en faire. Et du coup, ouais, au programme aujourd'hui, donc on va partir d'ici quinzaine, vingtaine de minutes, on va chercher Libby. Et après on part en direction de Metz. Alors à base on devait manger au McDo un truc à midi. Et finalement ma mère nous a dit de venir manger à midi à la maison. Donc on va manger à midi. Ensuite on fait l'anniversaire de Chloé pour 14-15h, quelque chose comme ça. Voilà, voilà ma mère a préparé le gâteau et tout. Et puis les cadeaux, tout ça. Et puis après... Les enfants et chez mes parents, nous on repart. Il reste jusqu'à demain fin d'après-midi. Et puis nous, bah, on rentre, on passe juste un centre commercial sur le retour en fait pour prendre à manger pour soir. Et puis Laura, elle voulait aussi racheter de l'eyeliner et tout. Elle m'a dit, y a pas un Kiko dans le coin? Je dis, bah si, à côté de chez mes parents, il y en a un, c'est mes cours. Du coup, on va aller à ce mes cours. Et puis après, on rentre à la maison. J'ai juste mon vlog à monter aujourd'hui. Et après, j'ai décalé le live à dimanche. J'ai pas de facecam à faire non plus. C'est soirée tranquille avec Laura. Soirée détente et tout. Et puis demain, pareil, c'est repos. Donc demain, il n'y a pas de vlog sur la chaîne YouTube. Je vous l'avais dit de toute façon. C'est Jules Verne, ça. Quoi? C'est Jules Verne, ça, le bouquin. Oui, il était dans la... Ouais, je sais. Donc voilà au programme de ce jour, n'est-ce pas? Donc, je vous prends avec moi. Je sais pas comment je vais vlogger, est-ce que je vais vlogger aujourd'hui. Mais voilà, ce sera un vlog quand même. Et puis, j'ai changé les draps aussi du lit hier. Hop. Un petit peu mal à la tête depuis le réveil ce matin. J'ai pris un médoc, mais ça c'est parce que j'ai mal dormi de toute façon. C'est évident. Je sais pas quel temps dehors il fait, s'il fait très froid ou pas. Ouais, il fait pas chaud. Normal, on est en hiver. Il n'y a pas neigé. Déjà, c'est déjà ça. Ouais, Jules Verne. Hop. Les chats, ils ont encore à bouffer à boire, c'est bon. Et puis... C'est tout bon. Bon, je vous reprendrai tout à l'heure de toute façon sur la route où on sera arrivé, donc il risque d'avoir un gap. Bon les amis, nous sommes actuellement arrivés chez mes parents, c'est bon. Il est 11h43, on est arrivé depuis une dizaine de minutes, ça a bien roulé, on a récupéré Libby qui a passé du coup la soirée chez sa copine, elle était très contente, ça s'est très bien passé. Elle s'est bien amusée, sa copine qui a des lapins, Libby m'a demandé si elle pouvait ramener un lapin de plus. Non, mais ça je crois que je vous l'ai dit, j'ai dit non mais c'est pas l'arche de Noé hein, non plus. Et du coup on a fait la route, on est arrivé, nickel. Et puis là, on va pas tarder à manger. Putain, l'état du Q7 est dégueulasse. Oh, une catastrophe. Je crois qu'il a jamais été aussi sale. Putain, même les jantes et tout. Regarde, les jantes, elles sont limite brunes noires, tu sais. Oh là là, elle est dégueulasse. Bref, là, on va manger. Je vous reprendrai après. Je sais pas du tout ce que ma mère a préparé à manger. Et puis après, bah du coup, on fera l'anniversaire de Petite Chloé. Je sais pas si, du coup, si ma grand-mère, elle vient. Parce qu'en fait, ma marraine qui habitait en Angleterre, qui habite maintenant en Allemagne, elle devait venir aujourd'hui chez ma grand-mère. Mais ils savent pas trop, donc je sais pas. Mais au pire, mon père, il amène les enfants demain chez ma grand-mère.
Bon les amis, il est actuellement 16h08, nous sommes dans le véhicule. Ça circule, il y a beaucoup de monde sur la route. Donc on a fait l'anniversaire de Chloé, vous avez vu quelques plans, quelques images et tout ça, il n'y a pas de souci. Après on est allé voir Nona, on a vu Nona et tout, un petit peu. Elle est un peu flemme mais ça va. Elle est à la maison, en tout cas c'est le principal, les infirmières elles passent, tout ça et tout. Et les enfants allaient la voir après qu'on est parti. Et du coup après on est parti, on est allé chez Kiko parce que tu veux racheter de l'eyeliner. T'as pris aussi du rouge à lèvres pailleté. Oui. Ah, il est très beau. Et ensuite on a acheté à manger pour ce soir. Alors, ce soir j'annonce, c'est une basse-côte. Une basse-côte là, un peu plus d'un kilo là. Que je vais faire revenir à la poêle, je fais pas au barbecue. On va allumer le barbecue là. Donc on fait ça avec des pâtes. Et on n'a pas pris de dessert, parce qu'on a déjà eu du gâteau à midi, ça allait, oui. Le gâteau de Chloé, qui était très bon. Et puis après on va se regarder pas trop incognito, qu'on n'a pas pu regarder la dernière fois, et du coup on va le regarder en replay, parce qu'on peut le regarder qu'en bas. Donc on va le regarder dans la salle à manger, dans le salon en même temps qu'on mange notre basse-côte. Puis après on va aller au lit, tôt, prendre une douche, aller au lit, sous la couette, au chaud comme ça. On sait pas ce qu'on va regarder, hein, parce qu'on a plus de série à regarder. On a essayé, je vous ai dit, Peaky Blinders, on n'a pas accroché. Ouais, elle veut regarder Good Doctor. C'est l'autiste. Ouais. J'avais vu une fois un épisode qui était passé sur TF1 ou autre. C'est pas mauvais, mais bon, le truc médical et tout ça. Mais je vais accepter de regarder. Pour te faire plaisir. C'est trop aimable. Bah quoi? Je vais accepter de regarder. Bah oui, je t'ai dit que tu pouvais choisir une série qu'on regarderait. J'ai proposé Game of Thrones, elle veut pas. Pourtant, Game of Thrones. Et du coup après on va se proposer, pas de live ce soir, juste mon vlog à monter rapidos, mais il va pas être très très long donc ça va. Et demain c'est repos dans le lit. On reste dans le lit toute la journée, n'est-ce pas? C'est pas gagné. C'est pas gagné, pourquoi? Parce que normalement dimanche on lave les draps. Bah déjà nos draps c'est bon. Oui mais les enfants. Eh bah c'est vite fait, ça va. Oui, du coup on reste pas dans le lit, on a quand même des trucs à faire. On a des trucs à faire, certes, mais on peut se reposer quoi. Et on récupère les enfants à 17h30 à Nancy, du coup demain à mi-chemin et tout ça. Donc voilà, ça nous fait bizarre de ne pas avoir les enfants là. C'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Mais voilà, il y a de la circule. On prend le chemin de Saint-Dié, on a encore une bonne heure 15, 1h30 de route. Et puis après on arrive à la maison aux alentours de 17h30. Le temps après de préparer la basse-côte et de la manger, la déguster même. Ça va être beau. C'est bon, merci. Bon les amis, nous sommes rentrés à la maison, c'est bon. Beaucoup de monde sur la route et tout, c'était le bordel. Mais c'est bon, il est 17h45 et nous sommes rentrés, on a rangé le pelet, c'est bon, parce que mon père nous a filé du pelet et tout. Le pelet est remis en route là, parce que j'avais mis en moyen, enfin pas très chaud toute la journée. Ouais, mais il a quasiment rien consommé en pelet. Et là, on l'a remis, c'est bon. Et je suis en train de préparer du coup la basse-côte. Donc c'est un morceau de viande. Cette fois, il est sans os, la dernière fois, j'avais fait qu'un os au barbecue. Du coup, je viens de l'assaisonner. Sel, poivre, qu'est-ce qu'il y a? C'est le poivre et puis assaisonnement aussi pour viande. Et puis je vais la cuire et faire les pâtes aussi à côté. Miam miam, mais on va manger. De toute façon, on a très faim. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais tomber le truc de merde là. Ah, déjà l'autre jour, non? Oui. Ouais, j'avais vu. Ah, un coup d'aspi, ça sera réglé. Truc de poudre de machine. Donc voilà, je sais que ça va être un vlog qui sera pas très long. Pas très long, vous m'excuserez, mais bon. C'était une journée beaucoup sur la route aussi. Donc là, je vais cuire les pâtes. Et après je vais cuire la viande et on va manger. Ça va faire du bien. Bon les amis, il est actuellement 18h31 et je suis monté sur le saint ordinateur. Car je vais travailler pour monter mon vlog et après repos. Jusqu'à demain soir. J'allais me planifier des tournages de facecam demain, mais je sais pas, on verra bien. Laura a mis au lavage les draps, comme ça c'est fait. On a mangé notre basse-côte. Bon, après elle faisait un kilo, mais elle était sans os, mais il y a beaucoup beaucoup de gras à enlever. Donc elle fait pas, et on n'a pas mangé un kilo de viande. Il en reste d'ailleurs. On a beaucoup à enlever dessus. Mais voilà, une bonne chose de faite. Donc là, je vais attaquer le montage de ce vlog. Je vous clôturerai après, une fois que j'aurai fini de monter jusqu'à maintenant. Bon, on ne critique pas la tronche du clavier, je sais. Il est dégueulasse. Je l'ai nettoyé déjà il y a quelques temps et tout. Mais le problème, c'est que les touches, je peux pas les enlever sur ce clavier. C'est la merde et tout ça. Ok, d'accord. Il a pris
Il a pris de l'âge et ce cavier est malheureusement décédé. Déjà, truc pour reposer le poignet, il tient plus. Je suis obligé de le remettre constamment, de le clipser. En plus de ça, la fixation derrière, elle a cassé, donc je le fais reposer là-dessus, sur un petit chargeur. Et la fixation derrière est cassée aussi, donc je la fais reposer aussi sur une connerie. Et en plus de ça, les touches ici fonctionnent, elles raccrochent. Du coup, quand j'écris sur le PC, toute la partie là, en fait, les touches, elles raccrochent. Donc la dernière fois, les chats ont fait tomber l'écran sur mon clavier, et ça a dû péter les touches. Donc là, il commence définitivement à crever. Puis de toute façon, il manque des morceaux, il manque un morceau là. Le clavier qui a actuellement 8 ans, c'est un Madcatz Cyborg. Il a 8 ans le truc. Et bah là, malheureusement, je voulais pas le changer. Hein. Je vous l'ai dit plusieurs fois que j'espérais qu'il tienne encore parce que il y a des périphériques comme ça que j'aime pas changer, comme la souris. La souris, c'est quelque chose de super important. J'ai dû changer de modèle il y a quelques années et j'avais tellement galéré à m'y habituer. Parce qu'avant j'avais une Cyborg Mat 5, je crois. Non, Madcatz Rad 5. Et je la kiffais et tout, mais j'avais dû changer parce que la marque Madcatz ne produit plus de périphériques et tout ça. Et du coup, j'étais grave emmerdé. Et ben là, en fait, mon clavier, ben là, il est en train de décéder complètement. Les touches se coincent et tout. Ça répond plus. Des fois, les touches, j'appuie, ça marche pas. Ça s'est accéléré ces derniers jours. Bah, depuis que les chats ont fait tomber l'écran sur le PC, bah, sur les autres claviers, bah, déjà, oui, ça a aggravé le truc. Mais là, pour le coup, voilà, c'est niqué. Donc. J'ai recommandé un nouveau clavier, je vous en ai parlé en live hier, donc j'ai commandé un nouveau clavier, je le reçois mardi, un Corsair K70, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le modèle. J'ai galéré, j'ai regardé meilleur clavier au monde, comparatif des meilleurs claviers qui existent. Il faisait partie du top, alors c'est pas le plus cher, je l'ai payé 189 €, bon avec la livraison de 100 balles. C'est pas le plus cher parce qu'il y a des claviers à 300-400 balles. C'est pas le moins cher non plus, mais en même temps, j'ai déjà essayé les claviers pas chers. Quand je dis clavier pas cher, c'est en dessous de 50 balles et ça tient pas. Clairement pas. Donc, vu que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, je me suis dit, je vais quand même voilà, mettre le prix. Ah oui, c'est un K70 Cherry Mix Red. Voilà, conçu pour durer, très solide, des switches Cherry Mix Red, machin et tout ça. Apparemment, il est super. Par contre, le rétro-éclairage multicolore, ça, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et j'avais besoin d'un port USB aussi à l'arrière du clavier, il y en a un. Donc c'est parfait. Donc voilà, je l'ai. Il me fallait aussi un clavier avec un pavé numérique. Tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à droite. Parce que certains claviers ne l'ont pas. Et du coup, pareil, les claviers pas trop chers, ils en ont pas. Bah, moi, il m'en fallait un avec un pavé numérique. Donc du coup, bah, j'ai avec pavé numérique. Donc voilà, c'est bon, je l'ai commandé. Et je le reçois mardi. Voilà comment il est. Alors moi, les LED, je m'en fous complètement des LED. Mais bon, maintenant, ils font tous avec des LED et tout ça. Voilà. Donc c'est fait, c'est commandé. Donc ça, c'est la première chose que je devais vous dire. La deuxième chose, je viens de recevoir un mail de l'école. Il y a un cas Covid dans la classe. Donc du coup, il y a le protocole qui se met en place, machin et tout ça. Donc soit on fera le nécessaire, autotest, tout le tralala. Voilà. En plus, Théo, il s'est déjà fait tester. Il s'est fait tester vendredi. J'ai reçu le résultat de la sécu hier soir, il est négatif. Voilà. Il s'est fait tester en salivaire, hein. Pas PCR, plus jamais. Non, test PCR, je l'ai fait sur Théo, c'est de la maltraitance. Vraiment, c'est un très mauvais souvenir, pour Théo et pour moi aussi, c'était un très mauvais souvenir de lui faire un PCR dans le nez. Léo devait en faire un, normalement, il avait une opération qui était prévue il y a quelques mois. Il devait obligatoirement faire un test PCR et une opération pour son pied, rien de grave. Sa maman avait essayé de lui faire le test, elle m'avait appelé, ça avait été le cirque. Elle m'a dit, mais je fais quoi? Il hurle et tout, j'ai l'impression de le maltraiter. Et j'avais dit, non, stop, on force pas. Et du coup, bah, on avait dû décaler l'opération hein, quand les protocoles seront plus allégés. Parce que clairement, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors il y a des gosses que ça dérange pas. Tant mieux pour vous, s'il y a des gosses que ça dérange pas. Mais il y en a d'autres, c'est très compliqué et je le comprends tout à fait ces enfants qui sont effrayés par ces tests. Hein. Franchement, c'est aberrant. Donc là, c'est de l'autotest, un petit peu différent. Théo, c'est un salivaire aussi qu'il a fait. Donc on verra bien. On verra bien pour ce protocole et tout ça. Peut-être que les enfants seront à la maison lundi, je ne sais pas, je verrai. Enfin, pas les enfants, mais en tout cas, un des enfants. Bon, on a des autotests à la maison, on en avait récupéré de Libye et tout ça, donc on verra si on doit le faire maintenant. J'ai pas très bien compris comment ça marche le protocole. Faut faire un autotest et faire une attestation sur l'honneur que le test est négatif. L'enfant peut retourner à l'école, mais il faut refaire un test J+2 et J+4 du coup de nouveau et tout. C'est un peu le bordel, voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on a bien mangé, ça c'est sûr. La basse-côte était très bonne.
Je suis épuisé, Laura aussi, elle est épuisée. Je vous avoue que là, on va profiter jusqu'à demain, fin d'après-midi, pour se reposer au maximum. J'avais prévu des tournages de facecam demain, je pense que je vais réussir à les faire quand même. J'ai deux tournages demain, je pense que je vais réussir à les faire. Donc on verra bien, mais se reposer quand même, voilà, c'est important. Les enfants sont entre bonnes mains, ils rigolent beaucoup, ils s'amusent beaucoup. Le petit anniversaire de Chloé, bon bah c'est bon, elle a encore demain matin. Alors du coup, elle a reçu de notre part un bal appareil pour faire les tresses, qui marche très bien, je vous le montrerai. Ça marche super bien. Laura lui a acheté une grande mallette avec plein de pinces, d'élastiques, de chouchous, machin, tout truc Minnie Mouse. Donc plein de trucs, un truc rempli. Elle a reçu un joli doudou licorne de la part de Nona. Mes parents lui ont acheté une coiffeuse, donc une coiffeuse, tu sais, avec le petit tabouret, la petite coiffeuse et tout ça, pour qu'elle puisse faire la petite coiffeuse et tout ça, c'est rigolo. Ok, d'accord. Ah, c'est Léo. C'est dans la classe de Léo. Ok. Oui, c'est Léo, ouais. Bon, bah Théo, il est négatif en tout cas. Et du coup, voilà, elle a reçu la coiffeuse et tout. Demain, mon père les emmène chez mes mères cocottes, donc ma grand-mère paternelle. Où elle va encore avoir un cadeau, elle va sûrement avoir des gaufres, des trucs comme ça, hein, je pense. C'est la tradition et tout ça. Et puis voilà, elle était gâtée, les parents de Laura lui ont acheté aussi des jolies fringues et tout ça. Non, franchement, elle était contente de son anniversaire, elle a eu un gâteau jeudi, elle a eu un gâteau hier, elle aura un gâteau demain. Aujourd'hui, pardon, et demain. Elle en a eu des gâteaux, hein, de toute façon. Bref, c'est tout ce que je devais dire là-dessus. Et bah, la dernière chose, bah, c'est Nona, du coup. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour Nona, je vous remercie d'ailleurs de votre gentillesse. Je lui ai dit à Nona. Ah bah, il y a beaucoup de gens qui étaient au courant que t'étais à l'hôpital, hein, du coup. Hein. Et on a discuté avec Laura, avec Nona et tout ça. On n'est pas tous venus au même moment, voilà, parce qu'elle est quand même fatiguée. Les enfants sont allés après, l'un après l'autre, voir Nona et tout ça. Pas que ça fatigue trop, mais elle était très contente de me voir, moi et Laura. On a pu discuter et tout un petit peu. Elle n'est pas restée trop longtemps, comme je vous dis, elle se fatigue. Après, c'est vrai que c'était assez difficile. Moi, Nona, j'ai toujours été très très proche de Nona. Quand j'étais gamin, voilà, j'allais tout le temps chez elle, habitait la maison d'à côté, donc j'étais tout le temps fourré chez elle et tout ça. Et c'est pas facile, parce que là c'est compliqué. Après, elle est retournée à la maison, ça c'est bien qu'elle soit rentrée à la maison, elle a des infirmières qui s'occupent d'elle, ma mère, ma sœur, mon neveu aussi, donc le fils de ma sœur qui s'occupe beaucoup d'elle aussi, qui est très présent pour elle. Et voilà, c'est un peu compliqué, parce qu'elle a la maladie de Parkinson. En même temps, elle avait de l'hypertension. Bon, le Covid, elle l'a chopé à l'hôpital. Enfin, ils l'ont détecté, le Covid, à l'hôpital, mais ça lui a rien fait. Un rhume, quoi, en gros, voilà. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour elle, ça a été le cas. Et du coup, ils se sont bataillés pendant 3 semaines pour trouver un bon traitement, parce qu'en fait, le traitement Parkinson lui faisait des chutes de tension, donc elle était à deux doigts de tomber par terre et tout, et bah, son âge, faut pas trop qu'elle tombe, elle a déjà deux hanches en plastique. Donc faut éviter, et du coup ils ont dû réadapter tous les traitements et tout ça, donc Parkinson ils ont dû changer un peu, donc elle tremble un peu plus, mais voilà, c'est une maladie dégénérative, hein, de toute façon, c'est comme ça. Mais je suis content qu'elle soit rentrée chez elle, voilà. Elle n'a pas récupéré son chien pour l'instant, parce que ça la fatiguerait un peu trop, donc c'est ma soeur qui a recueilli le petit toutou, donc mon neveu est très content d'avoir un chien à la maison, mais ouais, c'est compliqué de l'avoir comme ça, hein, ça fait... Je dis à Laura qu'on est parti, je dis waouh, c'est dur, hein, de l'avoir comme ça. Moi j'ai toujours vu ma grand-mère très active, à bouger et tout ça, enfin très active. On allait au magasin, on allait aux courses, elle allait là, je la suivais, j'étais tout le temps chez elle, on lisait Gaffi, machin et tout, tu vois. Et là c'est vrai qu'elle est très 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 affaiblie et c'est dur, très très dur de l'avoir comme ça, c'est pas simple. Mais elle a le moral, elle arrive à rigoler, elle arrive à parler et tout ça, voilà. Et elle est bien entourée, donc c'est le principal, et elle est très contente de voir les enfants aussi. Moi, je suis content aussi qu'elle voit les enfants, etc. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous clôture, comme vous l'aurez compris. Voilà, c'était une journée voilà, un peu speed, hein. Je n'ai pas beaucoup filmé, même dans la voiture, il n'y a pas d'intérêt à filmer tout ça. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire ce petit vlog et tout, retour sur Metz et tout, voilà. On a pu récupérer du tabac pas cher. Mon père, il en avait acheté pour nous au Luxembourg. Ça fait plaisir. Et puis voilà, donc je vous remercie à tous, je vous fais des bisous, je vous propose de vous reposer, parce que vous aurez pas de vlog là, vous aurez ce vlog là dimanche, mais lundi il n'y a pas de vlog. Reposez-vous, profitez-en pour regarder d'autres vidéos et tout. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.